Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce 35e épisode, je crois, de Stardew Valley. Donc c'est parti. Donc la dernière fois, voilà, on avait eu le fer, donc il va falloir que je fasse cuire. Donc j'avais commencé un tout petit peu, un tout petit chouïa, on va dire. Donc hop, on va continuer à faire cuire tout ça. Tac, tac, tac. Il va me falloir les deux morceaux de ferraille qui traînent dans les coffres. Et il va falloir j'arrose. Donc, le courrier. Donc, j'aimerais t'acheter une citrouille. Ma fille et moi voudrions en sculpter une lanterne pour le réveillon des esprits qui arrive, Caroline. Donc, Caroline, alors là, est-ce que j'ai encore des citrouilles qui traînent? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si là-dedans, parmi ce que j'ai là qui traîne, s'il y a des citrouilles. Donc, on verra. On verra, on verra. L'avenir nous le dira. Adviendra que pourra, comme on dit. Donc, hop, le blé là, hop, on le ramasse, tac, 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 bam, bam, boum, c'est fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arroser tout ça, moi. On va mettre à vendre ça. Ouais, j'ai que ça à vendre, de toute façon. Ouais, donc, on va faire ça. Je vais faire une petite ellipse, le temps d'arroser tout ça, faire cuire le fer. Et après, ben, on ira chez Clint pour pouvoir faire notre autre arrosoir. Et après, on verra ce que l'on fera. Donc, petite ellipse. Retrouve, donc, j'ai fini d'arroser, donc j'ai quasiment plus d'énergie. Mais au moins, c'est fait. Donc, on va aller voir nos petites poulettes. Ce qu'on va faire, c'est que il va falloir acheter des graines, je pense. Tac, donc le coco. Hop, une petite caresse à notre petite poupoule. Non, je veux pas manger l'œuf. Non. Ce que je veux, c'est du foin. Merci. Hop. Hop, j'ai déjà fait une petite caresse à ma petite poule. Donc c'est bon, on y go. Hop, on sort de là. Là, il n'y a rien à ramasser. On va aller dans la grotte voir s'il y a des fruits à ramasser. Hop. Alors, on va aller voir chez Robin, c'est ça qu'on va faire. Il y a pas mal de choses à ramasser. Des choses que j'ai déjà mis au niveau du centre communal. Donc, hop, on va pouvoir vendre tout ça. Alors, ce qu'il va falloir commencer à faire, c'est faire des réserves niveau nourriture, niveau œufs. Donc, je pense qu'on va racheter une poule aussi. Ça pourrait être bien. Mais d'abord, on va aller voir chez Robin un peu ce qu'on pourrait construire d'autre. Je pense que ça pourrait être sympa. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, on va faire deux omelettes. Hop, hop, hop. Hop, ça c'est fait. Alors, on y va. Donc, je vais regarder pour prendre tout ce qu'on pourrait déposer au centre communal. Ça pourrait être bien. Donc là, on a un parchemin déposé chez Gunter. Ça, on peut en faire don au musée. Je crois qu'il m'en faut une pour les quêtes. Ah, mais j'en ai deux. Oh, bah nickel. Alors, l'igname, ça, il me le faut. Ça, il me le faut. Ça, il me le faut. Je vais prendre ça. Ah, oui, il faut que j'aille voir Marnie pour lui donner ça. Donc, oui, il n'y a pas photo. Il faut aller voir Marnie. Donc, ça. Tac. J'en ai besoin. Et le reste, non. Ça, je crois que aussi pour le centre communal, j'en ai besoin. Ah, la gelée. Là, il y a une jauge gelée, donc ça, il faut que je la prenne. Algue marine, je crois qu'il m'en faut une, donc c'est parti. On va aller chez Clint. D'abord. Comme ça, on va aller ouvrir la géode. Et ensuite, eh ben, on ira au centre communal déposer tout ça. Et on passera vers Robin, voir ce qu'on va construire. Voir ce qu'il va nous falloir comme matériaux. Voir si on en a assez ou s'il faut farm, tout simplement. Hein. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. Hop, allez, c'est parti. Non, je veux pas manger d'igname. Ouvrir géode. Hop, qu'est-ce qu'on va obtenir? Oh, cristal fantôme. Ok. Améliorer outils. Inventaire plein. Quel est le rapport? Alors, on va aller chez Gunter et on va revenir après parce qu'apparemment, visiblement, c'est débile. Je trouve ça débile personnellement là. Parce que. Attends. Ah, c'est là. J'arrive à me paumer dans mon cerveau toute seule. Non, je vais pas manger l'igname. Non, c'est pas possible, mais non! Pourquoi? Ah, voilà. Donc le parchemin.
Ah, ça, je peux. Oui, ça, je peux le donner à Gunther. Voilà. Ok. Et j'ai une récompense? Ouais. Dictionnaire nain. Ok, j'ai cliqué dessus. Je sais pas trop ce que ça a fait. Ah ouais, on a trois cœurs. Ah ouais, on est bien amis avec Marnie en fait. Et regardez, on a trois cœurs avec Marnie. Il y en a avec qui j'ai pas de cœur du tout, quoi. C'est fou. Bon, bref. Alors, allons voir Clint maintenant qu'on a vidé un peu notre inventaire. Est-ce que cette fois il va être coopératif, notre cher ami? Voilà, merci. Je commence avec Opossi. Ça devrait être prêt dans 2 jours. Donc, très bien. Donc, si on compte aujourd'hui, donc je pourrais le récupérer à l'épisode prochain. Parce que là, bah, on va faire 2 jours, comme d'habitude, vous vous doutez bien. Ah, il y a un raisin à ramasser. Donc, on va le faire. Tant qu'on est près de la plage, on va y passer. On va jeter un oeil. On sait jamais s'il y a des trucs à ramasser. Yes! Il y a des palourdes et tout. Hop. Hop. Là-bas, il y a quelque chose à ramasser. Yes. Ça doit être une huître, je crois. Yes. Je commence à reconnaître les items. C'est pas mal. Alors. Tac, tac, tac. Ta-la-ta-la. C'est pas balade de santé, hein. Yes, il y a du corail. Inventaire plein. Ah, d'accord. Bon, bah, my god. On se taille au-delà. Allez, on va au centre communal. C'est parti. Hop. Allez. Robin, elle est là. Mais Robin, va chez toi, bon sang. Je veux venir te voir après. Et Robin qui n'est pas chez elle, ça m'a embêté. Ah, mais il y a une autre mur. Bon, je viendrai la chercher après. Hop, hop, hop. Allez, allez. Donc ça, j'ai pas. Là, ça, j'ai pas non plus. Non. Je peux déposer la pêche. Et la gelée. Ah, ça marche! Alors, dès qu'on va pouvoir faire du fromage, on sera bon, en fait. Eh, il faut que je regarde. Eh, mais non, on a le miel! Yes! Paquet complété. Ah, j'aime ça, les amis. C'est trop bien. Tonneler. Pour y faire un breuvage. D'accord. Attends. Ah, c'est du lait. Ok. Ah, mais c'était là, l'igname. Yes! Eh, pas mal! Ah, oh, bah dommage, on en avait fait une de ruche. C'est dommage. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à déposer? Est-ce que j'ai des trucs que je peux déposer là? Ouais. Ça. Donc, il nous manque encore beaucoup de trucs, mais on aura bientôt fini cette pièce. Du coup. Voilà, c'est l'aquarium. Ouais, donc c'est pas ici. Là. Yes, c'est là. Donc, c'est là qu'il va falloir que je ramène les 10 foins. Ah, la grenade, il m'en faut une autre ici. Ah, une géode gelée. Ah, bah, il faudra que j'en garde une. Ça. Ça, ok. Ah, il faut que je garde un oursin. Plume de canard. Ok. Donc, il faudra qu'on prête attention à ça. Et là, c'est ce qu'il faut payer. Donc, je vais essayer de le faire. En soi, je pourrais en faire pas mal. Mais j'aimerais vraiment améliorer quelque chose chez nous. Bah, nickel, j'aurais même pas besoin des 99 slimes. Petit anneau magnétique bague. On peut la mettre? Ah, portefeuille, dictionnaire nain, il est là. Ok. La portée à laquelle vous attirez les objets. Ok, donc on peut mettre 2 vagues. Ok, ça marche. Alors, là, le fer, je le ferai plus tard. Et le dernier truc, c'est quoi?
Donc il manque encore le quartz de feu. Ok. Bah écoutez, ça progresse. On a eu trois récompenses. C'est plutôt bien, je trouve. Du coup, là, il faut qu'on arrive à voir si on peut voir Robin. Et sinon, bah, il faut voir Marnie pour lui donner la carotte. Robin. On va aller chez Robin. J'espère que je vais réussir à la voir quand même. Alors là, hop, il y a ça à ramasser. On y go. Hop. Ce qui est embêtant, c'est qu'on va pas pouvoir arroser la prochaine journée, donc c'est un petit peu la galère, je pense. Et Robin n'est pas là, donc c'est bien ce que je disais, on va être dans la mouise. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est aller jusqu'à chez Marnie, voir si elle est là. Mais bon, vu l'heure qu'il est, ouais, non, c'est mortadelle, comme on peut dire. J'ai vraiment des expressions à la con. Ouais, j'ai des expressions idiotes. C'est voilà, c'est tout à fait moi ça. Bon, bah, on va regarder. Tiens, chez Pierre là. Du saumon. Ouais, c'est mort. Bah, écoutez, on va faire un détour pour ramasser à la plage les corails qui traînaient. Histoire de. Voilà. Les coraux. Parce qu'il y en avait deux. Et après, bah, on rentre à ce baraque. J'ai envie de vous dire. Et ouais, la prochaine fois, on va s'occuper de faire cuire du cuivre. Pour améliorer la pioche. Mais la prochaine chose que je vais améliorer au niveau du fer, ce sera la hache. Clairement. Très très clairement. Hop. Hop. Bah allez, c'est bon. On va à la maison. Ah, mais la mayonnaise, je l'ai. Mais c'était pas de la mayonnaise qu'il fallait du coup? Pour la quête des Juminos? Je me suis foiré à ce point-là? Ah, quand j'ai vu le M, j'ai cru que c'était de la mayonnaise alors que c'était du lait. C'est peut-être ça mon problème. Attendez. Et là, ouais, c'est tout. Le fruit cristallin. Là, l'aquarium, ça va être chaud pour moi. Ça, la chaufferie, on pourra le faire. En vrai, dès qu'on a de l'or, je suis bon à la faire, hein, cette quête. Hein. Bon, du coup, la mayonnaise, il fallait pas pour les quêtes. Je me suis foirée comme une grosse noobie. Bon, bah, c'est comme ça, écoutez. Donc, du coup, là, on va rentrer à la maison. On va dormir. Et ensuite, bah, la prochaine journée, on ira chez Marnie. Ouais, chez Marnie et après, go chez Robin. Pour voir ce qu'on va construire. Et voir les quantités d'items qu'il nous faut, histoire de pouvoir farmer ce qu'il faut. Et on attaquera la prochaine chose que l'on va construire dans notre maison. Ça pourrait être bien. Il y a rien qui traîne. Hop, allez, on va à la maison. On va aller vendre ce qu'on a à vendre. Je demande si je peux vendre la ruche ou pas. Ça, je vends. La carotte, je la garde. Ça, je vends. Ah, on peut pas vendre du coup tout ce qui est tonnelé, etc. Donc, la ruche, je vais la mettre ici. Le tonnelé, je vais le poser. Je vais voir ce que ça peut faire. Du coup, tout ça, il m'en faut pas pour les quêtes. Je pensais. Ça, je vais le garder parce que ça peut me rapporter de la santé. Donc, ouais. Alors. Le tonnelé. Alors, attendez. On va regarder au niveau de l'artisanat. Le tonnelé. Ouais, il est là. Mettez-y un fruit ou un légume pour en faire un breuvage. Un fruit ou un légume? Ok. Bah, on va se tenter ça, écoutez, hein. Du coup, ouais, il va me falloir que je fasse cuire un peu de barre de cuivre, parce qu'il va m'en falloir 5, pour pouvoir tout simplement améliorer la pioche. Donc c'est parti, on va faire un petit roupillon. Et en allant chez Marnie, on va se reprendre une petite poulette aussi. Pourquoi il ne peut pas me mettre que je veux dormir? Ah, voilà, on fait un petit dodo, c'est trop bien. Ah, ça rapporte pas mal en vrai les trucs, hein. Bon, allez. C'est parti, 20e jour de l'automne.
Allez, on a 20 000 de gold. Nice. Hop. Donc ça tombe bien que j'ai rien replanté en vrai. Du coup. Ah, j'ai des tournesols. Ok. Ça, c'est que mes champs vont pâtir de cette histoire. Hop, donc quatrième barre de cuivre. Pour les tournesols, je vais les garder ça. Je vais les garder les tournesols. Graines de tournesol. Ou en automne, poussant 8 jours. Je sais pas combien il y a de jours. Non, vous savez quoi? On va les garder. Parce que en vrai, le souci, ça va être que... comment si je les plante, là, je vais pas pouvoir les arroser. Donc ça sert strictement à que dalle. Puisque, bah, il va falloir que j'attende pour pouvoir récupérer l'arrosoir. Hop, hop, hop. J'hésite même. Je vais prendre toute la caillasse que j'ai sur moi. Tout le bois. Donc ça, j'ai comme ça. Et ça... Non, je fais des conneries. Voilà, cinquième barre de cuivre est en train de cuire. Comme ça, on aura mis à cuire ce qu'il faut pour pouvoir améliorer la pioche. Est-ce que là-bas, on a des choses à ramasser ou pas? Ouais, on a du miel. Et je me demande si on n'aura pas prochainement des recettes à faire avec du miel. Ça pourrait être sympa. Hop. Non, ça... Ouais, on peut pas ranger comme on veut quand on n'est pas... Bah, sont où mes omelettes? Ah là. Alors c'est parti, on va aller voir nos poules avant d'aller... On va aller voir Robin en premier. J'ai pas envie de la louper. Clairement pas. Alors vous savez quoi? Je vais prendre les 10 foins pour les mettre au centre communal. Hop, allez c'est parti. Donc on va chez Robin et en passant on ira au centre communal. Ah on a des œufs étoilés et tout, purée. C'est pas des gros œufs encore, ça qui est dommage. Hop, allez c'est parti. Voilà, allez on va aller voir Robin. C'est parti. Vous voyez, c'est... Non, 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 non. Les autres sont pas bons à ramasser parce qu'on voit il n'y a qu'une fleur, vous voyez. C'est à ça que je vois la différence. Hop. Allez, c'est parti. On va voir Marnie et après... Enfin, on va voir Robin et après on va voir Marnie plutôt. Wouh! On va y arriver avec les prénoms. Allez, go. Hop, hop, hop. Décidément, il y a des murs partout. Allez, on va déposer ça vite fait au centre communal en passant. Ça, c'est j'ai toujours pas eu de pomme. J'ai acheté de quoi avoir un pommier, mais j'ai toujours pas planté parce que par rapport à la saison, je crois, ou je sais pas comment on les plante, je sais plus. Faut que je regarde en rentrant. On va faire ça en rentrant. On va essayer d'y penser. Il y en a un qui traîne à ramasser. Hop, hop. Allez, allez, allez. Ah, une petite noisette. Est-ce que Robin est là? Yes! Salut, Robin! What? Pourquoi? Ah! Construire des bâtiments. Donc le poulailler. J'ai déjà fait. Non! Non!
comment on fait? Je vais pouvoir choisir un autre bâtiment. Oh, on peut carrément acheter des meubles et tout, j'ai jamais prêté attention. Oh, on peut faire des choses stylées en vrai. Des rondins basiques, une télé, une bibliothèque. Wow, les gens, on peut faire des trucs bien en vrai. Ah, c'est là! Grange, abri de 4 animaux. Remplir un arrosoir, le silo, je l'ai fait, la meule. Avec des betteraves, ok. Cabanon. Ok. Donc c'est ça qu'il faut que je construise. 6000. Bah je peux, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Yeah. D'accord, je commence les travaux à la première heure demain matin. Merci Robin. Je sais pas si elle aime bien, mais je lui ai donné ça. Merci. Ça me sera sûrement utile. Voilà. Hop. Bye bye. Allez, go. On va chez Marnie maintenant. Nickel. Comme ça, on va pouvoir prendre d'autres animaux et tout. C'est pas mal, ça. 4 animaux. Bon, je vais pouvoir m'acheter 2 nouvelles poulettes. Parce qu'il y a 4 emplacements pour mettre du foin. Donc, je suppose que je peux avoir 4 poules. Ouais, je suppose. Nous supposons, les amis. On n'est pas sûr, mais on suppose. Alors, là, il est, je l'aime pas. Hein, on le sait. Hop, hop, hop. Allez, go chez Marnie. Ça, on va pouvoir avoir des vaches, on va pouvoir avoir des chèvres. On va pouvoir faire du fromage, normalement. Pour faire nos quêtes. Ah, cinématique. Oh, tu m'as apporté une carotte souterraine. Merci beaucoup, Madame Hello. Oh, ça me fait trop marrer qu'elle m'appelle Madame Hello. Hop. Elle est contente. Elle enjoy. Ça a l'air plutôt bon. J'ai presque envie d'en manger moi-même. Presque. J'aimerais pas trop la manger, personnellement. J'espère que ça ne t'a pas posé trop de problèmes. J'apprécie vraiment. Bah, de rien, Marne. Bon, sinon, je venais pas pour ça de base, Marnie. Alors, acheter des animaux. Allez, on va l'appeler Alma. Hop. On retourne chez Marnie. Super, j'envoie la petite Alma à sa nouvelle maison tout de suite. Et je vais en acheter une deuxième. Je peux pas? Gertrude. Vous pourrez dire votre avis dans les commentaires pour les noms. Mais j'ai pas d'imagination pour soi. Allez, merci bien, Marnie. Allez, c'est parti. Du coup, on va aller casser un peu de trucs chez nous pour avoir davantage de foin. Parce que pendant l'hiver, on pourra pas avoir de foin. Donc, on aura que ce qu'on a dans le silo. Donc, il faut vraiment avoir des provisions à fond la caisse. Parce que maintenant qu'on a 4 poulettes, bah voilà quoi. Il faut les nourrir. Hein. Quand on prend des animaux, c'est juste à la vie, à la mort. Hein, donc, voilà quoi. Hein. Faut pas déconner. Tac, 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 tac. Ouais, je pourrais peut-être casser un peu d'herbe ici aussi. Hein. Accessoirement. Hop. Après, on ira faire un tour voir auprès du silo, voir un peu s'il est plein ou pas. Là, on peut pas passer. Tac, tac. Ah, ah, ah. Bah, j'ai ma pioche. Hop. Hop là. Bon, on va voir quand on aura fait la grange. Ensuite, à quoi on va s'attaquer? Parce qu'on a de l'argent, quoi. Je veux dire, on n'est pas, en rade.
J'ai pas eu beaucoup de foin là, j'ai l'impression. Alors attendez, on va aller voir directement au niveau de notre endroit de stockage. Hop. Ah, ça m'embête de pas pouvoir arroser, mais ça va, il n'y a pas grand-chose. Par chance, j'ai pas beaucoup de trucs. Hop. Je vais prendre la hache. Hop. 240 sur 240. Donc il est full. Donc on veut pas plus. Alors, c'est parti. J'ai bien. Ah oui, l'arbre. Le pommier arrive à maturité en 28 jours. Ah, c'est en automne. Et 8 cases adjacentes sont libres. Du coup, c'est dommage, on va arriver à la fin de l'automne, du coup, je peux pas le mettre. Alors, au niveau de l'artisanat. Mayonnaise gelée, la truc à fromage, je l'avais faite, les pancartes, la forge, clôture en fer, bac à conserve, machine à huile. Donc, il me faut un lingot d'or, du bois massif et des slimes. Et ça, il va falloir que j'en fasse. Pour le centre communal. Donc là, il va falloir attendre la prochaine. Je sais pas, la prochaine saison en hiver, si on pourra faire pousser du panais ou pas. On va être un petit peu embêté. Et ouais, là, du coup, pour le lait, bah, j'attends d'avoir les vaches, les chèvres, les gros œufs. Je ne sais pas comment ça se passe, du coup. La laine, il faut un mouton, je pense. Œuf de canard. Et là, il y a des trucs qu'on va faire pousser en hiver. Il va vraiment falloir que je me mette à la pêche, quoi. C'est horrible, hein. C'est pas comme si je pouvais acheter. Mince, je me suis foirée. C'est pas comme si je pouvais acheter les items. Donc, ça va être facilement faisable dès qu'on aura l'or. En vrai, je pourrais faire les paquets comme ça. Allez, on va aller chez Pierre, vous savez quoi? On va aller voir combien coûte le prochain sac à dos. Parce que c'est vrai qu'on s'y est pas fortement intéressé depuis le début. Un plus gros sac à dos, ça pourrait être bien aussi. Allez, c'est parti. On essaie de faire des améliorations, écoutez à droite et à gauche, hein, voir un peu ce qu'on peut faire. Hop. J'ai pas envie d'aller dans la mine, je vous avoue. Je préfère avoir plus de bouffe. 10 000 de gold. On le fait, hein. Voilà, vous avez acquis le sac à dos de luxe. Votre espace inventaire a été augmenté de 36, a été augmenté à 36. Ah ouais, trop bien. Du coup, on a le max. Ah, on a le maxi backpack. Oh, c'est trop bien ça. Alors, je suis plutôt contente. Une bonne chose de faite. Attendez, au niveau du centre communal, il y a un truc. Tableau d'affichage, voilà. Donc, s'il me faut du sirop d'érable pour là, et il me faut un œuf sur le plat que j'ai déjà mis. Là, il manque les pommes, ça dommage. Une grenade. La géode gelée, il faudra que je la garde. Nautilus, champignon violet. J'en ai jamais vu des champignons violets. Ah, tournesol! J'en ai un de tournesol. C'est parfait. On va faire ça. Alors, le tournesol. J'ai déjà oublié. Le truc d'érable ou je sais pas quoi. C'est ça. Et je sais plus. Je crois que c'est l'un ou l'autre. Hop. Allez, c'est parti. On va au centre communal. On va déposer ça. Je suis à 2 400 avec ce que je vais vendre. Normalement, je devrais pouvoir acheter le prochain paquet. Au niveau du centre communal. Si je dis pas de bêtises. Donc, on est plutôt bon. Ah, je suis contente, on progresse au niveau du centre communal, c'est plutôt bien. Parce que, après, voilà quoi. Je vais prendre les animaux pour pouvoir faire les quêtes et tout. On va essayer de faire la mine à fond. Mais je crois que le jeu est établi sur 4 années. Mais enfin, je vois pas trop quoi faire sur 4 années, quoi. Je vais pas vous mentir. À partir du moment où le centre communal s'est fait, je vois pas trop à quel peut être mon objectif dans le jeu, quoi, on va dire. Hop. Voilà! Donc, ouais, il va falloir avec des canards et tout. Ouais. Par contre, là, la grange, l'étable, c'est pour 4 animaux, mais est-ce qu'après je peux l'agrandir pour en avoir plus? C'est la question que je me pose. Et on va aller se promener du côté de chez Marnie, de l'autre côté, voir si on peut trouver d'autres items à ramasser que ceux qu'on a.
J'ai pas envie de planter grand-chose, je vous avoue, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'automne. On est déjà le 20. Donc c'est un peu problématique. Ah bah il y a Marnie. Bon, on vient de se voir, donc je vais pas trop t'embêter. Je viendrai te voir dès que j'aurai d'autres choses. Alors est-ce qu'il y a des choses à ramasser par ici? Est-ce que je peux casser les arbres qui sont là? Yes. Toute façon, j'avais déjà essayé. Hein. Il y a un pain. On va casser le pain qui traîne là. Hop, faut bien qu'on gaspille notre énergie. Hein. Bon, je vois rien qui traîne au sol à ramasser. Ma foi. Écoutez. Du coup, dans le prochain épisode, on ira récupérer notre arrosoir et on améliorera la pioche. Quoique. Le problème, c'est que si j'abandonne ma pioche, je vais être un peu dans la panade. Parce que je pourrais pas aller à la mine. Mais en même temps, si je récupère mon arrosoir, je vais pouvoir replanter des choses. Donc on aura de quoi s'occuper. Alors je vais vendre ça et ça. Le reste, on va le ranger. Bon bah voilà, écoutez. On va aller dans la grange, dans la grotte avant de se quitter. Non, là, hello. Je suis en train de me tromper. Il n'y a rien qui traîne, moi, on y était allé le jour d'avant. Donc il n'y a rien d'étonnant à ça. Bon bah voilà, écoutez, on va dormir et puis voilà, on aura fait notre taf au niveau de l'épisode. Plutôt contente de cet épisode, je trouve que voilà. Non, pourquoi je là, mon... Hello, hello, tu deviens folle. Hop. Allez, un petit roupillon. Monoculture. J'ai eu en success team. Donc, on aura largement l'argent pour acheter un pack au niveau du centre communal. C'est plutôt bien. Bon bah écoutez, on va cesser là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour le suivant. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Bye bye!